Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de réaliser le défi de Christine qui m'avait lancé un défi il y a pas mal de mois déjà. Et je me suis dit, ben là, c'est l'occasion de le réaliser. Donc, ben, c'est parti, on y va. Alors, elle m'avait envoyé ce joli ABC sur ce thème là, c'était je sais plus, c'était le voyage je crois, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, c'était fait avec du serviettage dessus et je trouve ça super doux, super agréable. Et du coup elle m'a lancé le défi de réaliser quelque chose avec du serviettage, donc je vais me mettre à réaliser ce petit défi. Dans son envoi, elle m'avait également envoyé cette petite serviette aussi, donc je me suis dit je vais l'utiliser, voilà, tout simplement. Étant donné que j'en ai pas sur le thème de l'été, je vais le faire sur le thème de l'automne, ce n'est pas grave. Allez, on y va. Donc je vais réaliser pour cette vidéo une petite ATC, donc rien de très très compliqué. 6,4 par 8,9, voilà. Et puis voilà, on y va, c'est parti. Donc pour ça, je vais prendre un morceau de serviette et découper un petit bout de serviette aux dimensions de l'ATC. Si je mettais dans le sens inverse, ce sera plus pratique. Voilà. Donc je laisse un petit peu de marge. Voilà, hop. Voilà, hop. Maintenant, cette petite feuille, je vais la dépiauter un petit peu, en fait, parce qu'elle est faite avec trois couches. Donc, une première couche, hop là, que j'enlève. J'en ai pas besoin. Et encore une autre couche si j'arrive à la décoller. Alors là par contre c'est moins simple, mais on va y arriver. Voilà, et là on y va aussi très 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 doucement pour ne pas tout déchirer. Bon, tout ne veut pas partir, ce n'est pas grave. Hop, voilà. Allez, le plus gros est fait. Tant pis. Ah si, ça y est, hop, on arrive à l'enlever aussi. Voilà. Allez, ça ira très très bien. Donc, on a une petite couche de serviette. Je vais prendre de la colle en stick, comme ceci. Et je vais mettre ma colle sur la totalité de mon ATC. Hop. Voilà, en mettant bien aussi sur les bords. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite serviette comme ceci et la disposer et maroufler. Donc, on va essayer de faire ça bien. Et là, hop. Voilà. Et je maroufle. Et ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Voilà. C'est plutôt, ah là je vois qu'il y a des petites
Voilà. Hop là, il y avait des petits plis qui s'étaient formés. Bon, il y en a d'autres là, petits plis. Mais ça va, c'est pas trop vilain. Je trouve que c'est pas trop trop mal. Après, si j'appuie un peu trop, ça va déchirer le papier. Donc, je ne vais pas insister de plus. Mais c'est très très bien. Là, je vais donc couper le surplus. Voilà. C'est pas mal. Non. Non. J'espère que j'utilise la bonne méthode. En tout cas, ça me paraît bien. C'est tout doux. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai reçu. Donc, ça a l'air pas trop trop mal. Ensuite, eh bien, je vais arrondir mes bords. Et maintenant, je vais décorer mon petit ATC. Alors, pour ça, j'ai préparé un petit écureuil et des petites feuilles. Hop là, hop et hop. Voilà. Ensuite, donc, je vais pouvoir les disposer. Non, pas tout de suite. Je vais faire d'abord des petits tampons de fond quand même pour habiller un petit peu plus. Je vais mettre des petits tampons. Je vais mettre celui-ci. Hop, je vais retourner. Je vais faire ça. Hop là. Donc je vais faire, je pense. Oui, du tamponnage comme ça là. Allez, un peu en travers. Voilà. Voilà. Un peu moins fort, c'est bien aussi. Du deuxième génération, on appelle ça, hein. Le premier, c'est bien noir. Le deuxième, c'est un peu moins fort. Hop là. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. Ensuite, je vais prendre ben, mes petits éléments maintenant. Oui, c'est pas mal. Et les mettre en place. Voilà. Donc, il y a des petites feuilles. Donc, ben, on va essayer de placer ça pour que ce soit joli. Allez, des feuilles qui tombent. Des petites feuilles dessous. Peut-être une feuille dessus. Voilà, ça sera pas trop trop vilain. Allez, comme ça, c'est pas mal. Allez, je vais mettre en place tout ça. Ah, peut-être qu'avant de coller, avant de mettre tout ça, hop, 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 je vais prendre mon stylo. Et je vais me faire un petit contour au doodling avant, de tout mettre en place. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien sympa. Et je vais faire aussi mon petit ancrage autour en noir. Et maintenant, je place. Alors, on a dit un comme ça. Je sais
sais plus, comme ça. Donc ouais, allez, hop, on y va. Et voilà la petite carte qui est pas tout à fait finie parce que je vais rajouter des petites gouttes d'eau que j'avais fait avec de la résine. Quand j'ai fait les bracelets en résine comme ceci, j'avais obtenu des petites gouttes comme ceci que j'ai gardées à côté. Et bien je vais les mettre sur la création. Je me dis que ça peut être très très sympa d'avoir ça un petit peu en plus. Allez, on y va. Donc hop, pour ça je vais mettre des petits points de colle par-ci par-là et avec un petit stylet je vais venir chercher les gouttes et les placer. Voilà, c'est très léger, c'est très subtil, mais c'est sympa. C'est très sympa, très très sympa. Voilà. Bien écoutez, dites-moi en commentaire si j'ai bien relevé le défi de Christine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.